Apparemment, l'expérimentation que je viens de vivre, c'est gratuit. Il n'y a pas à dire. Mais comme caprice, il y a les machines ont toujours leur caprice. J'aurais voulu que nous soyons tous les 21 candidats pour la ville pour faire l'expérimentation. Il fallait que ce soit seulement des. Je conseille à tous mes collègues, il ne faut pas toujours amener la population dans la rue, dans des histoires, des tueries, tout ça. Mais on a posé la question. La CENI nous a demandé tous d'amener nos techniciens. Les miens étaient là. Moi-même aussi, j'ai assisté. Mais tout le monde a préféré seulement fuir pour venir faire des déclarations contre la CENI. Parce qu'ils n'ont pas compris, ils ont voulu seulement créer des troubles pour que vous à la cité, vous dites « Ah, oh, un tel, etc. » Ce qu'ils ont dit, le président de la CENI dit « Puisque la fois passée, suite à ma question, maintenant on a demandé, il faut que chaque candidat puisse amener un expert pour expérimenter ce que peut être le déroulement des opérations électorales. » Nous sommes là avec des experts. Mais mes collègues ont commencé à poser, ont laissé la question essentielle de la machine à voler ou à voter, mais ils ont commencé à entrer dans autre chose. Vous parlez le problème qu'on doit nous donner le 25 policiers ou quoi, et tout ce qu'ils ont parlé, ça ne m'a pas plu. Comment vous entrevoyez la suite des discussions? Non, la suite des discussions, je ne peux pas l'accepter qu'avec moi et mon collègue Fungaké. J'aurais voulu que la prochaine réunion, nous soyons tous et que la CENI puisse faire cette expérimentation telle que moi j'ai vécu. Mais comme j'ai vécu, vous faites sortir trois candidats à la fois, députation provinciale, nationale et présidentielle, n'est-ce pas? C'est sorti au même moment et moi j'ai expérimenté le tout moi-même. Bon, ça a pris 5 minutes vous le faites. Hein? Et avec ce climat, vous voyez les élections le Non, s'il y a de mauvaises choses, j'ai dit à l'opposition de ne pas toujours faire de l'extravagance. Nous tous, nous avons connu des humiliations et des problèmes et des injustices. Mais maintenant, il faut arriver jusqu'au bout de l'injustice. Moi, j'ai connu l'injustice depuis 1999. Mais je suis arrivé avec la justice jusqu'à 2018 pour qu'on rende un arrêt à ma faveur à la Cour de cassation. C'est la même chose. Machine a triché, a volé. Mais nous sommes là. Nanga est là. Son adjoint est là. Tous les opposants, les grands ou les petits, étaient là. Maintenant, il fallait arriver jusqu'au bout avec nos techniciens. Bien qu'il faut avoir quelques éléments. Mais quand nous quittons la salle, ça pour autant aborder ce qui était convenu, qu'est-ce que le peuple peut tirer comme conséquence? Même moi, je tire que ça, c'est l'irresponsabilité. Puisqu'il ne faut pas seulement venir voir les journalistes qui sont fanatiques de tel parti politique parce qu'ils sont nombreux pour venir incendier les choses. Mais moi j'ai vécu, j'ai enregistré ça et je vais republier que celui qui est juste dans la vie puisse examiner est-ce que cette machine. Nous sommes dans un monde moderne. Mais un monde moderne ne peut pas toujours retourner dans les machines des histoires à papier et tout ça. Ça fait que nous sommes 40 millions d'électeurs. Hier, c'était 36, hein? Je ne sais pas, 35 ou 36, mais on est à 40. Mais ça, c'est beaucoup plus rapide. Mais maintenant, il fallait que les gens soient là pour voir ouvrir les, parce qu'il y a des techniciens parmi les candidats pour la République. Dit non, ça c'est faux, c'est faux. On allait tous retourner pour dire non, ça c'est faux, Nanga, vous trompez, tout ça. Mais maintenant, en sortant de cette façon, sans l'expérimentation, on peut donner toujours raison à Nanga. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas de la CENI, on ne veut pas de M. Kabila, il va tricher, on ne veut pas de Chadari, tout ça. Non. Il faut arriver avec elle jusqu'au bout, comme moi je suis arrivé avec la justice jusqu'à la Cour de cassation. Mais aujourd'hui, les gens, quand vous coupez la tête à un fleuve, il peut sauter. Mais à la fin du compte, il va finir par tomber. Est-ce que vous voyez les élections le 23 décembre réellement? Voilà, vous avez posé une bonne question. Moi, je vois les élections. Mais les amis veulent créer des problèmes pour qu'il n'y ait pas les élections parce qu'ils ont besoin peut-être que Kabila reste avec son article 70 de la Constitution et son alinéa 2
il reste sa place jusqu'à l'installation de nouveau, qui ne sera pas venu. La scène, je vous dis au peuple, je suis candidat, la CENI va dire bon, pour revoir toutes les opérations sur toute l'étendue de la République, il me faut 24 mois. Qui sont les perdants? N'est-ce pas nous autres? Hein? Et qui sera gagnant? C'est M. Kabila qui dit, oh mon Kesso Group, vous m'avez rendu un grand service, je reste. Ma femme mettait de l'eau avec du riz, je mange parce que maintenant aujourd'hui, je suis bien. Voilà, même nos petits-enfants vont nous traiter des avantages. Parce que l'opération est là. Il reste encore deux séances. Rien n'est fermé. Nous pouvons toujours contraindre la CENI à faire mieux. Je vous dis la vérité. Avec même la machine à voler, nous pouvons. Parce qu'on n'a pas fermé. La machine à voler est là. Les acteurs politiques ont fui. Mais nous pouvons revenir encore et poursuivre l'opération jusqu'à. Si nous trouvons réellement que cette machine est à voler, je serai le premier à sortir pour faire une déclaration. Le peuple ne participe pas à ces élections. Et un tel doit partir parce que la machine. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons expliquer? Moi, j'ai vu. Et qui peut croire c'est moi ce que moi je peux dire? J'ai compris. Pour vous, ça va. Non. Oui, je n'ai pas de tout oui, la machine n'est pas légale, mais la machine est là, dans la loi électorale. La machine est le vote manuel. Les deux sont là. Mais si on choisit la machine, et si nous contestons la machine, on peut toujours pousser Nanga à aller dans le manuel. Mais nous sortons, nous ne voulons pas d'autres. C'est-à-dire que nous avons d'autres idées. Comment vous comprenez le fait qu'un groupe de candidats sortent de la salle? Non, ce sont des gens, ils aiment faire des extravagances. Comme vous êtes les fanatiques, vous les suivez pour qu'ils puissent incendier la République. Non, on peut incendier la République ici, à la CENI, en arrivant à contraindre Nang. Mais maintenant, jusque-là, Nang a presque raison parce qu'il a fait un travail de 70%. Et il nous a dit que tout est arrivé. D'ici le mois de novembre, vraiment, il va rester tranquille en attendant les élections. Quitte à nous maintenant d'aller commencer à battre les campagnes. Mais maintenant, avec ce genre de discussions, on va arriver en novembre, toujours de discussions. Et toujours décembre, de discussions. Le jour de vote, il n'y aura personne. Et Kabila va rester avec son alinéa de l'article 70 de la Constitution. Et qui, est-ce que, à ce moment, moi que je peux sortir, bien que j'ai toujours critiqué M. Kabila, est-ce que je peux encore sortir pour les critiquer? Je vais garder mon silence, c'est parce que l'erreur est venue des opposants. Il faut, vous qui êtes avec ces opposants, hein, mes amis, dites-les, PCP vos épaules. Regardez la vie de notre population. Regardez notre pays. Trop de rébellions. Les routes inexistantes et tout ça, les paiements de salaire, si c'est 80 000 ou quoi, est-ce que ça, on ne peut pas avoir les soucis de notre population? Pourquoi sortir? On devait sortir quand même, on dit même à Nanga, voilà, renvoyons ça à deux jours. On veut toujours revenir, jusque-là, il n'est pas compliqué. Mais tout le monde ne veut prendre la parole pour l'attaquer. Mais eux, ils disent que le président leur a demandé de sortir pour ceux qui il n'a pas demandé. Puisque il a, moi, j'ai posé la question, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, monsieur le président? Est-ce que nous pouvons maintenant. On va passer à l'étape de l'expérimentation, parce qu'on a amené des techniciens. Le président a dit oui, pour le moment, on va le faire tous. Mais tous, la plupart, ont protesté. Non, nous ne voulons pas ça, parce qu'il y a ceci, telle raison. C'est pourquoi il a dit calmement, bon, nous sommes venus pour ce travail. Ceux qui veulent partir, ils n'ont qu'à partir. Mais ils peuvent même laisser les techniciens. Non, nous allons partir avec nos techniciens. Mais, qu'est-ce que vous voulez? On fait l'examen. Si vous sortez, vous quittez la salle. Est-ce que les professeurs vont cesser de faire cet examen parce que vous avez quitté la salle? Mais nous, on a fait l'examen, on a expérimenté. Et ils sont partis parce que et ils savent ce que. Le problème, c'est quoi? Je vous confirme, peuple, aujourd'hui, c'est moi, Gabriel Moquin, le vrai opposant plus que tous ces gens-là, parce qu'ils racontent de n'importe quoi. Ils veulent la transition. Ils veulent créer des désordres à Nanga. Comme ça, on va dans la transition. Ah, ben, je dis, ben, M. Kabila, nous t'avons facilité, on prend la primature, on prend, mais moi je ne demande rien. Mes propres amis ont été des premiers ministres et je ne leur ai jamais demandé quelque chose. Voilà les problèmes que madame, vous pouvez retenir. Ils ne veulent pas les élections, ils veulent la transition. Mais pour aller à la transition, il faut commencer à compliquer pour une machine à voter, machine à voler et tout ça. D'autres candidats n'avaient pas trouvé l'opportunité de commencer à raconter des choses. Mais les candidats habitués à des incendies, sont quittés la salle. Merci. C'est moi qui vous remercie. Monsieur, ton frère, le cœur, tiens ça.
ici, ça va. Oui, ça va. Ça m'a pris plus de temps pour expérimenter et poser beaucoup de questions de sécurité. Je vous dis que la première chose à faire, je vais parler des techniciens, parce que la technique a ses normes. Et les normes techniques de la machine, il y a 3 mois, j'ai contesté beaucoup de choses, ils ont pris en compte le numéro qui s'est répété quand on choisissait, ils ont actualisé leur logiciel. Premièrement, sur le plan technique, la machine que nous avons vue a une imprimante thermique. Ça veut dire que c'est juste pour faciliter les élections. Personne ne peut entrer dans le cœur du système d'exploitation. Ça veut dire que la machine elle est venue avec un logiciel. Même eux-mêmes, les techniciens de la CENI, ne peuvent pas y entrer. Bien alors, le deuxième point aussi, c'était par rapport au jour, parce que j'ai donné des revendications sur la géolocalisation de la machine. Quelqu'un pouvait avoir la machine pour imprimer à la maison. Alors qu'est-ce qui s'est passé? La machine en elle-même, elle est codifiée pour ne procéder au vote que le 23 à 6h du matin. Pas encore ça. Tout a été bloqué, on a testé. On est intellectuel de l'oblige. Je vous dirais qu'en 2018, ça je le répète, en 2018, aller aux élections avec des papiers pour qu'il y ait des contestations, parce qu'il y a des gens qui sont experts à faire entrer les papiers la nuit. Je vous dirais que moi, je choisirais le système avec l'imprimante thermique incorporée. C'est ce que je viens de voir. Mais on a donné des recommandations. Ça veut dire que le système électoral, on a testé de toutes les formes. À vous rappeler que je suis expert en sécurité Internet et programmeur et base de données en réseau. Cela veut dire que ce que j'ai vu, si c'est ça la machine, alors je vous dirais de ne pas hésiter de choisir cet outil pour le vote. J'en prends toutes les responsabilités parce que vous savez, la classe politique congolaise est habituée à dire non à tout. Moi je les appelle les non-istes. Ils ont créé un courant où il faut dire tout, même quand on dit une voiture est rouge, ils disent non c'est blanc parce que ça vient de l'opposition ou du centre ou de pouvoir. Nous parlons du futur d'un peuple, le peuple congolais qui veut changer de régime et qui veut vraiment de voir son pays développer, qu'il y ait des routes, des maisons, l'éducation, de bons salaires et un développement. Si c'est pour ça, si c'est que je vis comme machine, moi, j'irai aux élections et on va en contester avant et aux élections pour qu'il y ait rapidement un changement radical au Congo. Ils ont claqué la porte, ils ont raison. Ils se sont confiés aux experts britanniques et à l'OIF. Et que moi, je dirais, vous savez, j'ai 18 années d'expérience en nouvelles technologies. Je suis consultant d'une entreprise américaine spécialisée aux élections. Quand les gens claquent la porte, ils savent pourquoi. Beaucoup veulent une transition. Beaucoup veulent le boycott parce qu'ils ne sont pas préparés. Nous disons ceci. Ce sont les mêmes personnes qui en 2006 ont claqué la porte en 2011. Ce sont les mêmes personnes qui ont travaillé avec le pouvoir. Les gens qui ont soutenu Kabila hier, qui étaient des ministres, ce sont eux qui étaient en train de contester. Même ces gens-là qui ont volé l'argent du peuple, c'est eux qui contestent aujourd'hui. Ils contestent quoi? Ils contestent quand il faut changer de régime. Parce qu'eux ont bénéficié avec ce régime. Aujourd'hui, ce sont des opposants, moi je dis, mais des opposants avec les yeux qui regardent toujours en arrière pour être nommés Premier ministre ou ministre des Finances. Ça, c'est leur arrange. Nous sommes de la classe de la nouvelle classe politique. Je n'ai jamais travaillé au pouvoir. Et j'en fais même pas partie. Et j'en ferai pas partie parce que moi, je prône le changement radical au Congo. Mais il y a un problème. La majorité silencieuse est en train de souffrir parce que d'autres ont claqué la porte. Qui leur a donné la primaire, d'ailleurs, le droit de dire à un peuple que ça c'est bon ou c'est mauvais sans en avoir eu de preuves? Ça veut dire qu'il manque au peuple. Moi, je suis professeur international. Je vous dis que je ne peux pas mentir au peuple parce qu'un courant, un groupe d'individus qui sont en train de bloquer le processus électoral ont pris le peuple en otage. Kabila a érigé sa pyramide, l'opposition a érigé sa pyramide. Nous, on vient pour détruire les deux pyramides et pour que le peuple soit enfin libre.
Donc, j'irai au vote. Si ce que j'ai vu, imprimante thermique et machine à voter, j'irai au vote parce que ça facilitera le changement au Congo. Bien sûr, parce que j'étais critique, la CENI devait résoudre le problème technique. Je ne peux pas manger. Je disais qu'il fallait qu'il y ait un système de géolocalisation. Je l'ai vu. Je l'ai testé, la machine, et on bloque l'heure et tout. Déjà, j'ai vérifié. C'est passé. J'ai été critique avec le choix. Un candidat mettait le numéro 3, ça sortait 3, 13, 23, 33, tout ce qui est 3. Aujourd'hui, ça, je n'ai pas vu ça. J'ai été critique aussi par rapport à ce qu'on appelle le bulletin de vote. Ils ont aussi amélioré aussi. Ça veut dire qu'un bulletin de vote ne peut entrer que dans une machine et ne peut pas être reconnu dans notre machine. Alors, lorsque toutes mes revendications techniques, disons 90%, 90% ont été satisfaites, alors, ont été satisfaites, je ne peux pas aujourd'hui venir vous dire que ça n'a pas été satisfait. Ça veut dire que je ne peux que dire la vérité. Et je prends le peuple en témoin de faire attention à un courant politique qui ne connaissent rien en technologie, rien en technique, et en droit qui disent qu'ils sont de meilleurs en droit, ils ne savent même pas interpréter le droit. Alors je dis que le moment est venu de que le Congo soit moderne. Merci.